Voici la tour du Buisson, à proximité de la forêt des Grands Avaux. Donc en haut se dresse un magnifique panorama et on pourrait même distinguer la tour Eiffel et la tour Montparnasse au loin, ainsi que les villes d'Évry et de Corbeil-Essonnes. Donc nous allons monter par des escaliers très étroits. Donc avant, il y a un petit texte sur ce monument. Donc alors, Chancueil, la tour du Buisson. En ce point élevé du massif se dresse la tour du Buisson, un ancien observatoire astronomique construit en 1847 à la demande de Louise Breguet et de son mari, le docteur Lyonnais. Propriétaire du château de Buisson, ils y menaient des expériences scientifiques. Cet édifice a été restauré en 1999 par le Conseil général de l'Essonne. Non loin de là sont encore visibles les ruines d'une autre tour, dite du télégraphe, qui fonctionna dès 1805 pour la transmission de messages à l'aide d'un pendule articulé situé à son sommet. Voilà pour ce qui est de l'histoire de cette tour. Maintenant, nous allons monter. C'est parti. Oui, il fait un petit peu sombre, mais il fait frais. Donc, il faut faire quand même attention. Donc ça monte encore, mais dans un premier temps, nous allons admirer la vue. Voilà, donc vue assez remarquable, hein, c'est incroyable, impressionnant. Et vous avez aussi une table d'orientation juste ici. Voilà, donc Évry au loin, donc on voit Corbeil avec les tours de la cité des Tarterets. Donc je vous le rappelle, nous sommes à la forêt des Grands Avaux, à proximité de Chancueil. Une vue assez splendide et remarquable. Voilà, l'autoroute A6 là-bas, vous avez Melun, la forêt de Fontainebleau également, Saint-Fageau-Potiéry, la forêt régionale de Rougeau, enfin voilà, Sénart, enfin voilà. Maintenant, nous allons poursuivre l'ascension jusqu'au sommet de la tour. Alors, qu'est-ce que ça va donner ici? Ah oui, effectivement. Bon, on ne peut pas aller plus loin, par contre. Mais ceci dit, la vue est toujours assez remarquable sur notamment la forêt de Rouge, la forêt de Fontainebleau qu'on aperçoit au loin. Bon, évidemment, il y a un petit peu de brume, hein, sans doute de la pollution. Voilà, donc nous sommes à plus de 100 mètres d'altitude, à peu près 130. Donc vue à couper le souffle. Donc si vous avez l'occasion ou l'opportunité de venir là, et ben, n'hésitez pas, car le lieu est splendide, hein. Il n'y a pas photo. Alors, je vais regarder sur la carte. Combien exactement? Bah, nous sommes à peu près 140 mètres d'altitude exactement. Voilà. Sur ce, eh ben, nous on va poursuivre notre petite balade. Voilà. Donc franchement, la vue est rien à dire, hein. Panoramique, hein. Voilà, donc sur ce, à très bientôt!
écoutons le silence de la nature et ce petit vent frais. C'est fort agréable, surtout avec ce temps magnifiquement splendide, malgré la pollution. Alors voici un autre belvédère du haut d'un massif forestier. Donc le paysage s'est littéralement transformé au cours de notre petit voyage au départ de la gare de Ballancourt-sur-Essonne. Donc au début nous avons traversé des champs de colza, puis ensuite la balade a pris une allure de la forêt de Fontainebleau. D'ailleurs ici il s'agit de la continuité de la forêt de Fontainebleau en plein cœur du parc naturel régional du Jatinet français. Voilà donc point de vue à 360 degrés, enfin presque. Donc là un autre point de vue mais en direction de la forêt de Fontainebleau et peut-être aussi Nemours, enfin vers le sud de la Seine-et-Marne. Voilà.